je suis très stressé, il y a du monde, le monde commence à arriver, j'ai une petite pression qui monte. J'espère que le film va plaire à tout le monde. Et puis ben voilà, je sais plus quoi faire, j'ai un petit discours, j'espère que j'ai pas trop le foiré. Je suis extrêmement stressé, c'est affreux, je vais devoir faire mon petit discours, là je me sens plus, j'arrête pas de bouger, il faut dire bonjour à tout le monde, c'est le plus beau jour de ma vie. Tu me filmes là? Oui oui. C'est bien, c'est un petit peu statique peut-être. Peut-être. Un petit peu, je bouge, je fasse des trappings. Oui oui. Franchement, mais l'image est géniale, la technique, tout est bon. Ouais, alors là, je suis grave dans le stress, c'est une catastrophe, je flippe mort. C'est-à-dire que là, je viens de passer une demi-heure, je suis dans le stress, donc on verra comment ça va se dérouler par la suite de la soirée. Mais manifestement, il y avait pas mal de gens qui sont venus et pas des gens que je pensais pas comme ça. C'est bon là, là. Et dites-moi, vous pensez quoi, là, vite fait? Hop. Ouais, bah écoute, franchement, moi j'ai adoré. Entre la musique et surtout le pour faire une suite alors. Comme Matrix. Ouais. Si on a les moyens. Si on a les moyens, ouais. Non mais on les a les moyens, si c'est ça qui. On se donne les moyens. On les aura pour toujours. Vous êtes parent de Clément Gaëtan. Est-ce que vous allez avoir honte de votre fils? Hélas. Ça va dépendre de on en a bien peur. On le craint. Vous allez me renier? On vous dira ça à la sortie. Elle est méchante. De toute façon, je m'en fous, je porterai plainte. Et toi, tu sors avec, alors fais gaffe. Ouais. Je disais, je connais cette silhouette, c'est mon frère. Mais je n'attendais pas le voir. Alors, je sais qu'il venait, tu vois. Mais tellement il monte que finalement, j'arrive à. Non, bah, là, j'ai un petit peu stressé. Stress? Bah. Tu perds des kilos? Le track. J'ai peur d'avoir un Oscar. T'as sur ça. Faudrait se cacher. J'ai le track. Et Marine, tu t'en fous? Non, pas. Non, je m'en fous pas. Mais... C'est l'espoir pour l'award du meilleur. Non, ça, c'est pas le principal. C'est pas le principal, sinon satisfait de ce que t'as fait? C'est surtout pour le résultat qui m'intéresse. Ah, bah oui, je suis fière. Je suis une merde. Bon, vous vous cacherez pas alors d'ici la fin? Ah non. Mais ils ont beaucoup travaillé. On verra le résultat. On a beaucoup travaillé. C'est vraiment un bon film, très agréable, et j'espère qu'il y aura une suite. Et longue vie de l'association. La quantité de travail qui a été faite sur ce film est faramineuse. Ils ont fait un boulot monstre, les frères Revol. Damien a fait d'ailleurs une jolie musique, il a une belle facture. Je pense que l'ensemble aura du succès. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier d'être venu. Ça nous touche beaucoup. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre-Olivier Revol. Donc, je suis le président de l'association Revol Art, qui a été fondée le 7 septembre 2001, donc qui aura bientôt 2 ans. Donc, notre association a pour objectif de réaliser des films amateurs, en incluant bien entendu l'écriture d'un scénario, un tournage, un montage et même une musique. L'année dernière, nous avons sorti notre premier long métrage, Dark Cut, que certains ont peut-être déjà vu. Et là, cette année, nous avons voulu en quelque sorte repousser un peu les limites en faisant un film un petit peu plus complexe que nous avons baptisé donc Pandémonium. Donc il faut savoir que pour réaliser un film de cette envergure, nous aura fallu quand même 1 an et demi de travail et que toutes les personnes qui ont travaillé avec nous sont toutes des bénévoles. Donc tout de suite, nous allons vous présenter les 2 bandes-annonces pour ceux qui ne les ont peut-être pas vues. Et tout de suite après, un autre discours, voilà. Alors, tout de suite, je vais vous demander d'accueillir Sylvain Revol et Cédric de Verchères. Ils vont nous parler un petit peu mieux du film. Et puis bon, ce sont les personnes qui sont à la base de Revol Art avec moi. Donc, je vous demande de les accueillir. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis Cédric de Verchères, donc l'un des 2 co-scénaristes du film Pandémonium avec Pierre-Olivier Revol, c'est présent. Alors ce qu'on a voulu faire avec Pandémonium, excusez-moi, on a voulu écrire un film très noir,
Avec deux thèmes principaux, je dirais premièrement le chaos. Donc le chaos à travers l'histoire en elle-même, à travers la façon dont elle est présentée, parce que les scènes ne sont pas toujours dans un ordre très conventionnel. Et également, deuxième thème que j'intitulerais la capacité de l'homme à s'autodétruire. À s'autodétruire, pardon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente séance. Et je vais passer le micro à Sylvain qui va conclure. Merci. Bonsoir, donc voilà, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y en a beaucoup, enfin, ouais. Voilà, donc je m'appelle Sylvain, je suis donc monteur et cadreur. Et avant tout, j'aimerais vous remercier d'être venus aussi nombreux. C'est très important pour nous, car ce soir, c'est l'aboutissement d'un projet. C'est un an et demi de projet, et donc je suis fier ce soir de le partager avec vous, donc merci. Je voulais aussi souligner le fait que nous sommes des amateurs, et que par conséquent, notre matériel est limité, et nos moyens aussi, mais nous avons quand même essayé de donner le maximum de nous, quoi. Voilà. Je voulais aussi, j'en termine avec les remerciements, tous ceux qui ont participé au film, de près comme de loin, et qui l'ont fait bénévolement, donc je leur dis merci. Et eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis fier donc de lancer la projection, et ben bonne... projection. Bon d'accord, j'ai un peu foiré vers la fin, mais c'est pas grave. J'en profite aussi si vous pouviez éteindre vos portables et aussi ne pas parler durant la projection. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et puis ben là, je vous laisse savoir en fait si vous avez des questions éventuellement à poser ou si vous avez des suggestions, que ce soit positives comme négatives, parce que bon, c'est elles qui nous permettent d'avancer. Moi, ce n'est pas une question, mais j'aurais aimé pouvoir voir sur le plateau tous ceux qui ont participé au film. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ce sont dans le monde? Ben d'accord, ben, la moitié de la salle, si vous voulez bien descendre. Je savais pas que il y en a un paquet là. Je peux pas, je fais. Non, 30 secondes. Hey Yoline. On se rappelle ta phrase. Non, tu peux essayer un petit peu, je prends la photo. Jean-Jacques qui se cache derrière. Ça comprend pas. Les petits de haut. Il y a une petite qu'on voit pas derrière. Allez, Annie, s'il te plaît. Attention. Voilà. Bravo. Qui est la méchante médium? Donc c'est bah, c'est celle-là qui est là. Tout le monde te voit bien. J'espère que vous avez aimé. C'est un travail d'un an. Il vous fait chier. Voilà. Non, j'ai beaucoup aimé faire cette musique. C'est un grand tournant pour moi parce que avant je faisais que des chansons. Et depuis que j'ai rencontré ces deux jeunes hommes, j'ai dû rapprendre toute la musique pour pouvoir faire des musiques de film, mais ça se fait pas comme ça. Voilà. Merci. C'est plus
une suggestion par rapport au bruitage. Donc, le film est très bien, hein. Mais je trouve qu'il y a un... je trouve qu'il y a un petit décalage, en fait, entre les bruitages des coups, donc les coups de poing, les coups de pied, tout ça, et les coups de bâton qui sont un petit peu en décalage, je trouve. Donc, la prochaine fois, mettre un bruitage aussi pour les bâtons, à la rigueur, ça pourrait être une idée. Merci. Merci pour la suggestion. Pourquoi elle meurt à la fin? Qui ça? Parce qu'elle a beaucoup qui meurent. Ma fille. Non, bah, c'est très simple. Marie, dans le film, elle représente un petit peu la pureté, l'espoir chez les humains. Tout au long du film, elle est toute gentille, sa musique est très douce, vous avez remarqué. Et voilà, quoi, c'est le symbole même de l'humanité gentille qui se fait détruire à la fin pour bien montrer qu'il n'y a plus d'espoir, que c'est une fatalité dans ce film et tout le monde peut mourir. Avant qu'elle aille, il est bon. Et pourquoi ce choix d'un film aussi noir alors? Non, c'était un choix comme ça. On voulait faire un film vraiment pas marrant. vraiment un film à l'extrême en fait. Bon, avant Velas, on est assez extrême. Donc on va procéder à la remise des awards, donc, qui va récompenser tous les talents qui se sont révélés à travers ce film. Donc il faut savoir qu'il y a trois catégories. Donc la première sera celle des acteurs principaux, ensuite il y aura celle des acteurs secondaires, et enfin il y aura celle aussi des meilleurs techniciens. Donc ce soir, je voudrais que vous applaudissiez tous. Sylvain Revol pour le meilleur acteur. Bon, merci, je suis très content. Et donc, je vais vous faire un petit plaisir. Je vais vous faire un petit yeux méchants. Alors, en fait, le principe, c'est de baisser légèrement la tête, froncer les sourcils. On fait comme ça, et on soulève un peu comme ça. Voilà. Vous voyez là, non? Hein? Vous allez bien? Voilà. Bonsoir, les cinq membres du jury ont décidé de récompenser Mélanie Villeval pour sa prestation. C'est tout au niveau par rapport à la prestation de Damien Jouvenceau, donc au niveau de la musique, et donc également de la chanteuse Marie-Julie Bruno. Et donc on va le remettre ce prix spécial, je vous demanderai de l'applaudir. Encore une fois, merci. Je suis très fier pour ce prix. Je suis très fier aussi... ils aient pensé à mettre Marie-Julie. Donc, c'est pour cette chanson. Il y a eu vraiment un gros travail. Et j'en suis très fier. Et je suis retourné au studio pour la prochaine réalisation. Et je vous dis à l'année prochaine. Voilà. Vous avez passé une bonne soirée, que vous avez apprécié le film, notre travail. Et puis, voilà, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Je suis super content que vous soyez tous venus. Et puis, j'espère que vous garderez un bon souvenir de la soirée. Merci.